Dimanche là, plusieurs dizaines, milliers de monde prend la rue après yo te vin joindre cadavre six otages qui étaient nommés à Massio. Ça te soulevé quand les moun yo pou di il est temps pour qu'effectivement cesser le feu. N'a pas rappelé que ça fait longtemps qu'il y a parlé de négociation pour cesser le feu en retour. Comprendre logique là, c'est on cesser le feu en retour à Massio te gagné pour livrer otages. Ça y a plusieurs otages dans mais. Mais en même fois, Netanyahou lui-même qui toujours pensait que c'est la façon pour gagner un compromis, c'est éliminer ces batailles sans arrêter. Donc, en fait, il pensait que c'est éliminer Amasio sans négociation. Et alors que, en plus, citoyen pensait que le moment arrivé, il y a un compromis, un cessez-le-feu. Les États-Unis, notamment via Biden et Harris Kamala, qui toujours a négocié un cessez-le-feu. Il me semble que là, Jean Bayo, là, t'as semblé que ces citoyens dans le pays Israël qui pourraient forcer la main avec Netanyahou pour finalement bataille et guerre ça, guerre sans merci, qui déclenchait entre Israël et Palestine depuis les non-songés, qui ont fait attaque ça. Mais depuis ça, Netanyahou lancé dans une bataille revanche côté que, justement, pile monde perdit la vie au niveau de Palestiniens yo et pile monde espérait que t'as pas abouti avec yon. En fait c'est la première fois que pays Israël et Palestine battent gomme but yo qu'on fait ça d'arriver en paix provisoire mais depuis les ça pas jamais on la paix et ces négociations c'est le fait qu'a fait mais je dis à eh bien monde dans pays Israël dit c'est trop à tort. Mais yo pa ka pran sa fok, justement, gen on se se le fe pou bagay sa a fini. Et yo menase, et se serye, pou gen sa ndarele yon grev general sou tout peyi ya. Et nan mouman ap pale la, gouvernement Netanyahou a komanse gen bon jan tèt chou, puisque bagay la komanse out of control. Puisque yo menase kompletman pou bloke peyi Israel si pa gen on se se le fe. Donc, en fait, Jean, la direction que ça va aller là, Benjamin Netanyahou est capable de tomber. Il est capable de tomber, si soit lui effectivement négocier un cessez-le-feu, ou bien tomber, gagner, ça n'est arrivé de véritable pression de la part de population abouti avec cessez-le-feu. Ça a parlé depuis longtemps. Et à Tel Aviv, International Airport, là, justement, et Gantang Strikedown. Ça, vous comprenez, on a parlé là. L'économie entière du pays Israël, il y a un problème dans ce moment-là. C'est-à-dire que tout syndicat, toute organisation, tout net, mobilisé là pour faire un strike général, forcer le gouvernement, justement, faire deal ça, otage, pour remettre otage et joindre un cessez-le-feu. Donc, c'est. Et vraiment, une véritable démonstration rase de marée par jouet monde. Le gouvernement est obligé d'intervenir pour voir plusieurs gaz à chercher en prise de contrôle de la de situation. Il y a trois non-victimes, ça qui gagnent là, donc c'est des Israéliens, Américains qui ont été supposés larguer, justement. Et il y a un senior au niveau de Hamasio qui voyait blâme, non? Il dit, unique responsable de causer ça, le par l'autre. Et que Netanyahou, qui lui-même toujours voulait résoudre cette crise-là en gros point être. Donc, il est le temps pour qu'effectivement, gagne un véritable cessez-le-feu. Et donc là, il gagne le département d'État, gagne Biden qui pensait que dans ce moment-là, l'hypocrite trop tard, il est capable toujours arriver. Sécuriser un deal pour faire et ça d'arrêter, c'est le feu qui a parlé depuis longtemps. Donc, je nous constate la véritable pression sur ce le feu là, c'est à l'intérieur de l'Ukraine. C'est bien longtemps. Et nous rappelons que Biden était même menacé pour te bloquer toute aide. Une fois ça, c'est de l'intérieur, c'est citoyen qui dit yo bouquet à tort, faut que aboutisse à ça d'arrêter, on cesse le feu. Il faut dire tout que Donald Trump a profité des situations, puisque son bail qui fait actualité un peu partout, tout le monde l'a parlé, le monde l'a parlé dans ce moment-là. Eh bien, il y a Donald Trump qui a dit, bon, il regrette mon sao qui mourir, mais si elle lui-même quitté là, pas bien ça. Monsieur Grand dit, si elle lui-même quitté là,
et pas t'ap gen. En fait, monsieur dit Oudouba, si elle était là, tel bail pas t'ap fait. Et ok. Monsieur dit, si elle même qui était là, et pas t'ap gen, causé ça. Donc, monsieur qui t'a appelé, bâti politique li, et un événement malheureux passé. Depuis un événement malheureux qui passait. Monsieur Doudou, si on était là, tel bagay pas tap fait, pas tap jam, ok? Donc, monsieur Kap essaye faire parti, Kap essaye faire bâti capital politique li, sous événement qui s'est passé hier dimanche là, justement, j'en nous faut qu'on a six otages, et que vraiment, qui perdit la vie ou qui ont sacrifié, bien entendu. Et population qui ras-le-bol, qui dit que si tu es en négociation, ça pas tap rive. Beaucoup vraiment gagné un bilan définitif d'événement, mais déjà, il faut nous dire que policiers dans l'affrontement, dans les frappés avec manifestants qui blessés, ils ont parlé de 29 personnes qui ont arrêté. Bien vrai, ministre finance, bien entendu, du pays Israël, qui lui-même, cap cherché, ouais, qui gens là, pour ta passer une sorte de executive order, on décrète pour ta contrecarrer ce qu'a parlé là, parce qu'il a parlé de nationwide strike. Ça veut dire qu'il a parlé d'une grève générale sur le pays. Ministre finance a regardé qui gens que lui-même n'était capable de faire l'ordre empêcher Sandarilé, une grève générale qui menaçait Sandarilé économie pays. Il y a département de défense du pays des États-Unis qui parlait avec le ministère de défense d'Israël à propos de et corps Mounsayo, otage qui rejoignent. Et donc, vraiment, vous avez une population là qui est vraiment fatiguée. Vous dites, vous bouquez avec une guerre sans fin et que l'il est, l'il temps. Et pour finir avec ça, vous dites, vous prêt à continuer pour bataille jusqu'à ce que otage retourne. Donc, vous dites, vous avez besoin, on sait c'est le fait, je dis à Benjamin Netanyahu, qui a un problème là. Monsieur très inquiet de protestation de lever campé ça à travers plusieurs villes et dans le pays. Et Mounisson, c'est le bagage à prendre. Il a demandé un cessez-le-feu, un ceasefire, un deal pour que finalement, il a libéré tout otage et principal monde qui a pointé du doigt. Il a accusé qu'ils font ça bagarre ça à toute population. Hein. C'est Netanyahu qui recevra en pile critique, en pile blâme, puisque il fait connaître Netanyahu pas jamais prioriser Sandarilé le retour des otages, mais tout simplement, monsieur, c'est la grandeur d'Israël, que c'est ça la fait promotion, Israël, pas fait bas. Mais la vie mounio, et la vie mounio, pas important, c'est sa manifestation. Il dit Netanyahu partait de la vie Mounsayo. Donc, gros démonstration, gros levé campé, capital Tel Aviv, il faut nous dire, c'est une grosse manifestation qui n'a jamais gagné, qui n'a jamais organisé depuis que ça a commencé. Et mes amis, tant de bien n'a parlé de 700 000 monde qui prend, qui participent à levé campé, ça ou bien rapide, qui a demandé pour gagner un deal. Et ils ont estimé que Tel Aviv simplement te gagne 500 000 monde. Et par donc là, on peut comprendre, et on peut comprendre que c'est pas dedans, c'est pas jouette. Gagner les universités et qui yo même tout université yo qui entrer nan causer strike ça. La police qui était utilisé toute qualité moyen. Moun qui bloquait highway, utilisait savon, toute qualité gratel pour pour repousser moun yo qui au même yo dit son mouvement campé. Son mouvement sans campé qui vient là et en pile là-dedans yo, y a fait manifestation tout et dans ministère yo, tout ministère là obligé rester en dedans yo en otage tout. Et donc, ça vous comprendre, eh bien, et la mort de otage ça a changé donné. Changé donné au moment-là, son lot dynamique. Alors là, et vraiment, Netanyahu, au lieu de l'y obliger à agir, parce que autrement, il est capable de tomber. Biden, Harris, et Kamala Harris qui parlait justement de parents américains,
qui il parlait de série de Israéliens qui américains tout et gain en commun ça que rejoignent donc son situation qui vraiment écœurant dans le moment que n'a parlé avec vous là et donc et tout syndicat dit au même c'est grève que lié et otage américain il a demandé famille qui va bon ici il a dit Netanyahu ou faut qu'il joigne un deal pour capable retourner la caillou il faut qu'il joigne un deal et donc voilà guys et bagayo qui changeait là et dans le pays Israël donc n'a suivre 6 semaines ça finalement sous pression Netanyahu pral obligé finalement faire un cessez-le-feu qui vont donc politiquement cap bon pour Kamala Harris si avant élection il arrive à un cessez-le-feu entre Israël et Palestine.